Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien hein, parce que le mauvais temps revient. Et le mauvais temps revient, c'est vrai, il est toujours là. Ah non, attendez, je vais vous montrer. Hier, je reviens, je suis là. Bah si. Hier, donc, j'ai décoré, alors tout simplement, vous savez, la boîte explosion craft. Alors, je ne vais pas refaire de tuto. Avec l'album, machin, tout ça. Hein. Non, je vous le montrerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Je ne l'ai pas encore fait. Hein. Je vais refaire exactement la même chose, le petit album sac à main, mais en craft, quoi. Hein. Et avec l'album que j'ai utilisé pour faire ce que la boîte explosant. Hein. Je vous le montre rapidement comme ça, mais il n'y a rien à voir. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Juste, j'ai pris cet album-là qui traînait aussi. Retro Vibes. Hein. Voilà, les bonnes ondes, funky, machin, truc. Hein, voilà. Donc il me reste ça pour faire un petit album de rien du tout. Je sais pas si je vais y arriver avec ce qui me reste, mais y a rien ne m'arrête, rien ne m'arrête. Et donc j'ai fait la petite boîte à explosion vraiment hyper simple avec cet album-là. Donc voilà, tout simplement, voilà. Hein. Donc c'est Hug and Kiss, ça veut dire câlin et bisous, hein, câlin et bisous, avec une petite fleur qu'elle m'avait fait, trois petits sequins que vous m'avez envoyés, vous savez c'est des cadeaux que vous me faites, vous voyez, hein, ça. Et puis ça, c'est les fleurs qu'elle m'a fait, voilà, hein. Donc juste ça, voilà. Hein, vous avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est joli les couleurs turquoise comme ça, avec le craft, le marron, rouge, c'est assez joli. Et puis c'est les marguerites, alors je trouvais qu'elles allaient bien avec, enfin bon, voilà. Et puis hop, quand on ouvre, ah, vous avez vu, hop, j'ai refait les suspensions, mais cette fois-ci avec les ronds, hein. Donc, ça veut dire que ça peut être adapté à tout le monde. Il n'y a que des belles pensées, hein. C'est que des belles pensées. Tu es unique, amour, voilà. Soyons heureux de ces moments, machin, voilà. Hein. Voilà, là, il y a marqué « Fais-moi l'amour ». Enfin, bon, bref, un truc dans le genre. voilà, hein, vous avez compris. Donc, c'est rigolo. Moi, j'aime bien faire ça. Là, c'est des ronds. Et puis, l'autre côté, comme ça, c'est vierge. Comme ça, si on veut faire des petites photos rondes, hein, pour la personne qui veut faire un album photo, elle met des petites photos rondes comme ça qui sont suspendues, ou elle met des sentiments, ou elle met des embellissements. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut sur le côté où il n'y a pas de sentiments. Voili, voilou. Hein, c'est une boîte qui demande à être scrapée, bien sûr. Hein. Donc, tout simplement, au milieu, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste maté, vous voyez, avec les petits ronds, machin, comme ça. Voilà. C'est tout. Donc, jaune, j'ai fait les couleurs de l'album, bien évidemment. Donc, il y a voilà, tout simple, vraiment. Je me suis pas cassé trop le tronc, vous voyez, les couleurs un peu, voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, bon, viens ici, toi. Voilà, hop, hein, du jaune, du turquoise, des couleurs. Ça pète, hein, ça pète dans le tube, hein. Toc, là, bon, ben, c'est bon, je vous ai montré. Là, hop. Là, voilà, hein, voilà, vous avez compris, quoi. Et puis, à chaque fois, l'intérieur, donc, j'ai refait pareil que la dernière fois. Que pour l'autre album en noir là, sauf que là j'ai mis donc bah, des cartes, hein, les cartes qui sont dans l'album, et puis derrière j'ai mis donc un petit bout de ruban, hein, et puis du washi qu'on m'avait offert. Regardez, il est beau, il va trop bien avec, hein. C'est Power Flower, hein, le pouvoir des fleurs, hein. C'est pas mal, hein, je trouve que ça va bien, il allait super bien avec, voilà, vraiment, 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 c'est exactement pile poil impeccable ce qu'il nous fallait. Donc voilà, à chaque fois j'ai mis du papier voilà, pour mettre des photos ou écrire machin. Hein. Bon, vous avez compris quoi. Bon, j'ai rien fait de foufou, hein. Voilà, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Comme ça. Là, j'ai pas mis des strass, mais j'ai mis du ruban, du washi quoi. C'est un washi qui est tissu, vous savez, autocollant. Donc c'était vachement bien. Enfin, washi en général c'est collant. Et puis voilà, à chaque fois, voilà, des sentiments, on peut mettre des photos, toujours pareil, toujours pareil. Il est toujours possible de scraper, d'y mettre. Moi, j'ai rien fait, strictement rien fait là. Non, non, non. Parce que je trouve que c'est sympa de mettre des photos là. Ça fait un grand album hein, quand même. Hein. Un grand album parce que y a quand même de quoi mettre des photos. Hein. C'est impressionnant. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mis le petit washi et le ruban. C'est un ruban aussi que vous m'avez offert, bien évidemment. Je ne sais pas si je l'ai là. Ah non, je l'ai rangé. Ah non, j'allais dire, yo, c'est étonnant que j'ai rangé. Ça m'étonnerait de moi. C'est ce ruban-là. C'est un vieux rose, là. Je trouvais qu'il allait pile poil avec. Donc, si vous reconnaissez vos cadeaux, bah, vous pouvez penser à vous dire, bah, c'est moi, c'est moi. Vous voyez, j'aime bien. Parce qu'évidemment, bien sûr, je ne me rappelle plus. Je suis désolée. Hein, je suis désolée.
Ça, c'est le comble des gens qui sont trop gâtés comme moi et qui après ils se rappellent plus de qui vient quoi, machin. Donc voilà, hein, voilà, vous avez compris, à chaque fois j'ai mis le petit washi avec le petit ruban, tout simplement. Et ça va super bien, ça, voilà, comme ça il n'y a pas besoin de. Ça permet d'utiliser les washi. Alors, si vos washi collent pas, bah, malheureusement, bah, vous remettez de la colle, hein. Moi, celui-là, le washi tissu, il colle super bien. Super bien, super bien. Voilà. Vous voyez, je tire dessus, ça se barre pas, quoi. Hein, voilà, hein. Sans problème, sans problème. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je l'ai enfin fini. Enfin, oui, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Voilà. Je l'ai fait. Je suis très heureuse de, très, très contente de moi. Bon, je trouve que c'est très mignon. Ça change, c'est funky, c'est jeune, c'est voilà, c'est bien ça pour un voilà. Et puis là, la petite suspension pour mettre des petites photos, des petits sentiments ou des petits embellissements, ou j'en sais, que sais-je. Et hop, à l'intérieur, j'enferme les petits rubans. Hop. Et puis voilà, puis encore de quoi scraper, zocazou, zocazou. Voilà, hein, ça c'est fait, je voulais vous le montrer, partager avec vous. Et puis donc, je vais faire le petit album sac à main, je vous le montrerai si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai quand je l'aurai fait, parce que évidemment, je ne l'ai pas encore fait, j'ai juste découpé toutes les étiquettes là. Ah, découper toutes les étiquettes, comment dirais-je? Vous savez, les petites étiquettes carrées là, tout ça, parce que je vais décorer. Ça en fait, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, ce sera que des stops pour mettre dans l'album. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, attendez, on est mardi, mardi, mardi. Aujourd'hui, je ne ferai pas de tuto parce que je ne ferai pas de tuto parce que je vais faire l'ouverture du colis là. Et puis je vous ai montré ça. Et puis, on fera un tuto demain, mercredi. Hein. Aujourd'hui, donc c'est mardi, c'est ça. C'est l'anniversaire de Jocelyne Durand. Hein. Alors, eh bien, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. On lui fait tout plein de gros bisous. On est le 11 déjà. C'est dingue. Enfin, moi, je suis toujours épatée du temps qui passe. Du temps qui passe, quoi. Ça nous rapproche plus vite de la fin, quoi. Si, c'est bientôt la fin. Et voilà, c'est bientôt la fin de notre vie. De ce qu'on a... Bon, on a des grands bruits, quoi. Alors, le 11, c'est la Saint-Barnabé. Hein? Ah, bah tiens, la Saint-Barnabé. Alors, ça veut dire que s'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra 40 jours plus tard. À moins qu'à la Saint-Barnabé, il lui coupe l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fait beau chez vous, il pleuvra pas dans 40 jours. Hein. C'est très intéressant, hein. C'est ça. Donc voilà, la fameuse Saint-Barnabé, c'est aujourd'hui. Hein. Et alors, est-ce qu'on connaît des Barnabés? Moi, non, je connais les Barbapapa. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, moi, je connais que les Barnapapa. Les Barnapapa. La Barbapapa. Mais c'est bon, la Barbapapa. Oh, c'est bon. C'est que du sucre, hein. C'est de la drouille. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon? Moi, j'aime bien manger de la barbe à papa. On s'en fout partout. Ça colle aux doigts. C'est horrible. J'aime bien la barbe à papa, moi. Mais les Barnabés, bon, je sais pas, j'en connais pas. Donc, je peux pas vous dire si je les aime. Mais c'est pas grave. Hein, tant qu'ils m'ont rien fait, je les aime. Aussi, on a accueilli hier un nouveau scrapeur du cœur qui s'appelle Delphine Détraz. Elle est 313. Donc, je vous prie de bien l'accueillir. Hein. Ben, si, quand même. Non, mais dites donc. Hein. Quand même. Hein. Quand même, on a une image de marque à respecter. Hein. Donc, on accueille bien les nouveaux. Hein. Hein, si. Et alors, Delphine, tu te présentes aux autres. Hein, parce que tu te présentes à moi, c'est très bien. Je suis très heureuse. Moi, je suis très heureuse de t'accueillir. En tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de t'intégrer au groupe. Hein, parce qu'elles, elles vont t'accueillir avec grand plaisir. Mais pense à te présenter, à faire une parution, voilà, en parlant de toi, machin. Mais voilà, quoi. Hein, voilà. Et puis comme ça, on se connaît mieux et puis on est content. Hein, voilà. Donc c'est un grand plaisir, bien sûr. Hein. J'aime bien blaguer. Hein, alors si tu n'aimes pas les blagues, c'est mort. Tu es 313 et à l'envers, ça fait toujours 313. Peut-être c'est un signe, je ne sais pas. Hein, bon voilà, en tout cas, j'espère que tu es contente. Nous, on l'est, évidemment. Hein. Donc, je vais ouvrir du courrier que j'ai reçu hier. Hier, j'ai reçu du courrier. Et donc, enfin, du courrier, un colis de ma maman de cœur, ma petite. Je sais pas ce qu'elle m'envoie. Je crois, elle m'a dit, si, si, si. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle m'envoie. Non, je ne sais pas. Mais elle m'a dit qu'elle avait fait des créations. Il me semble qu'elle m'a. Enfin, il me semble. Je ne sais pas pourquoi je dis il me semble, il paraît, on m'a dit. J'aime bien mettre le doute comme ça alors que je sais très bien qu'elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé des créations qu'elle avait fait. Donc, eh bien, nous allons découvrir cela. Et puis, j'ai reçu aussi une lettre de Sylvie, hein, Sylvie Terrassi,
Terrazzi, pardon, parce que Terrassi, je sais pas si elle est assise, mais donc je sais pas, elle est peut-être debout, mais enfin c'est Terrazzi. Et alors donc elle m'a envoyé une lettre, je sais pas ce qu'elle m'envoie, je sais rien, je sais pas, je ne sais pas, je peux pas vous dire, on va ouvrir, on va ouvrir, on va ouvrir. Alors donc pour ce faire, hop là, alors, comment ouvrir, comment faire, comment faire? Je cache son adresse, je cache, hop. Je sais pas ce qu'elle m'envoie, non c'est. C'est toujours les surprises, vous savez, avec vous, hein. Alors attendez, je vais essayer de zoomer un tout petit peu, un tout petit peu. Je sais pas si, hop, comme ça, là, c'est mieux. Vous dites que c'est mieux, ça me fera plaisir. Hein, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Oh, c'est mignon, ça. Oh, elle m'a mis un timbre. Elle veut que je lui envoie une petite cartounette de ma création, de mes superbes créations. Hein, c'est ça. Alors donc, elle m'a mis une jolie petite carte. Alors attendez. Oh, là, 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 là. Hop là. Alors ça, je le jette. Je jette, hein, je fais ce que je veux. Alors, elle m'a mis une jolie petite. Ah, c'est un sketch. C'est le sketch à Catherine. C'est un des sketchs à Catherine. C'est très joli ce que tu as fait. Très adorable. Le petit bouquet de fleurs. Hein, c'est bien. Hein, ouais, c'est super bien. Puis alors, l'arc-en-ciel et tout, là, franchement, c'est trop bien. Avec les nuages et tout. Ouais, moi, c'est tout pourri ce que j'ai fait. Je sais même pas ce que j'en ai foutu. J'ai dû la. Non, je l'ai pas foutu à la poubelle. Je jette pas mes créations, mais j'ai dû la foutre dans les placards des trucs que j'aime pas, vous savez. J'ai un placard. J'ai tout un. Si vous saviez. J'ai tout un bac. Vous faites ça, vous aussi? Est-ce que vous faites ça? Moi, je fais ça. Hein? Ça commence. Hein? Faut que je parle. C'est quand même pas ma faute. Hein? Faut que je m'exprime, vous savez. Bah, si. Ça évite les psychologues. J'ai pas les moyens de me payer un psy, de toute façon j'irai pas en voir. Non mais alors, j'ai un bac moi, hein, j'ai le bac à chute, c'est l'horreur, le bac à chute de papier, c'est une catastrophe. J'ai les sacs à bidule à bordel, c'est-à-dire ça, hein, j'ai ce genre de truc comme ça, mais j'en ai des boîtes complètes, parce que là c'est un tout petit sac, j'en ai des boîtes complètes de bordel comme ça. Si, 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 j'ai ça. Et c'est ce que me disaient certaines abonnées. C'est tous les restes de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a fait des albums, on a ça, hein, hop, il nous reste de ci, de ça. Et on met tout dans le même boîte. Au lieu de ranger les strass avec les strass, les papiers avec les papiers, les découpes avec les découpes. Non, non, on ne fait pas ça. On fout tout dans le même sac. On est. Enfin, moi personnellement, mais je me demande si j'ai toute ma tête parfois. Hein. Je me demande si je suis tout à fait normale. Hein. Pourquoi on fout ça en bordel dans un sac alors que si on mettait les découpes avec les découpes, les strass avec les strass, les hein, on s'en sortirait beaucoup mieux. Hein. Mais non, non, non. Alors on fait ça. Moi j'ai des boîtes complètes donc de ça. J'ai des boîtes complètes de chute de papier, c'est une catastrophe. J'ai des boîtes complètes de tout, de tout. C'est la zone, c'est la zone. Et alors j'ai une boîte complète de mes créations. Que je n'envoie pas, hein, que je n'envoie à personne, mais que je ne jette pas. Pourquoi? Parce que des fois, je les regarde, je me dis, ah ouais, quand même, t'as fait ça. Oh là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas pourquoi. Je les garde, hein, je les garde. Je les garde parce que c'est de la marchandise et puis c'est des créations que j'ai fait quand même. Faut être fier de ce qu'on fait, hein, faut être fier de ce qu'on fait. Il faut être fier surtout de ce qu'on ne fait plus, hein. Donc je fais ça. Donc cette carte-là, moi je trouvais que c'était moche ce que j'avais fait. Ou alors de toute façon je l'ai envoyée à quelqu'un, la pauvre. La pauvre. Je suis désolée si je t'ai envoyé ma création parce qu'elle est nulle. Mais je veux dire, ça c'est tout mignon, c'est très bien pensé l'histoire du petit arc-en-ciel comme ça avec les petits nuages. Voilà, hein, c'est très beau. Avec les petits strass fleurs là, ça permet de les utiliser vos strass machin là, en forme de fleurs, en forme de feuilles, en forme de tout quoi. Elle est toute mignonne et puis alors la petite, ah, tout mignon. Et alors à l'intérieur un petit mot. Et alors regardez-moi ça, si elle est pas jolie la tournesol Marguerite. Hein. Marguerite de tournesol. Elle est belle cette fleur. Tiens, elle irait bien justement avec le petit album que. Tiens, regarde, regarde, regarde. Peut-être je la mettrai sur mon album, sur la pochette. Regarde, regarde, je ferai une composition. Elle va bien avec la couleur. Hein. Je vais la mettre dedans. Et puis ça se trouve, je la mettrai sur ma couverture d'album rétro machin truc. Ça se peut. Ça se peut fortement que je la mette avec. Je fais ça là. Hein. D'accord. Alors je lis mon petit mot maintenant. Le petit timbre. Tiens, mais je t'enverrai ma carte. Non, je déconne. Non, non. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas aussi cruelle. J'ai le droit. Alors, je lis mon nom. Le mot. Alors, donc. Oui, ça va toujours, moi. Merci. Ah. D'accord. Bah oui. D'accord. Hum.
Heureusement que je suis bienveillante pour les. Ça serait la. Oui, je vous déteste. Franchement, vous êtes trop nuls. C'est tout le contraire que je pense. Vous êtes formidables. Vous êtes des artistes. Mais bon, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Vous allez avoir les chevilles qui enflent. Hein. Bon, je sais bien, on va mettre des claquettes bientôt. Mais quand même, faut quand même pas que je vous fasse trop de compliments. Après, vous allez plus vous sentir. Hein. Non, vous allez plus vous sentir. Alors bon. Mais non, mais vous êtes formidables. C'est vrai, en plus. Je pense sincèrement. Et vous êtes mes petits scrappeurs à moi. Hein. Et puis vous êtes qu'à moi. Hein. Non, mais dites donc. Hein. Mes petits scrappeurs à moi et rien qu'à moi. J'ai le droit, non mais dites donc. Je sais. Oui, mon amour. Oui, je sais. Ah bah, je vais dire, ça y est, le mauvais temps est revenu. Et franchement, c'est une année toute pourrie. Hein. Toute pourrie, toute pourrie. Hein. Il y en a ras le caisson. Ah bah, il y a eu, oui, on a eu quelques jours de beau, là, c'est vrai. Mais alors, juste temps de tondre, hein, juste temps de tondre le gazon, puis après, voilà, quoi. C'est bon, quoi. Il fait vraiment un temps de pourri. Le matin, il caille, le soir, il caille. La journée, bon, quand le soleil se monte, on crève de chaud. Enfin, moi, je suis, voilà. Et puis alors, il fait gris, il fait moche. C'est vrai, c'est une catastrophe. Hein. Ouais. Ah, c'est super ça! Oh la chance! Oh, c'est trop bien! Elle s'en va à Rome. Hein. Si, elle s'en va à Rome. Pas boire du rhum. Hein. Non, non, non. Non, non, ça s'écrit pas pareil. Elle s'en va à Rome. Hein. Ah non, ah, c'est bien, t'as de la chance. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Toute mignonne, toute mignonne. Ça, c'est trop la chance. Bon, j'arrive. Hein. Si, je vais prendre mon billet, moi aussi, je vais partir à Rome. C'est ça. Ah, c'est bien. Bon, on boira du rhum. On en ira aux Antilles. On ira voir nos amis guadeloupéens, martiniquais, tout bastringue. Ben, si, hein. Zouké, hein. Zouké, zouké, zouké. J'aimerais bien zouké, moi. Si. J'aime bien zouké, hein. Je sais très bien zouké, vous savez. Ah si, je sais très bien zouké. Hein. Et c'est un Guadeloupéen qui m'a appris à zouké. Hein. J'étais très jeune. Hein. J'étais jeune et belle, alors il m'a appris. Il m'a dit arrête de bouger tes épaules. Hein. Tortille du cul, mais pas les épaules. Hein. Hein, si. Et alors j'adorais ça. Hein. Ah, j'adorais. Et alors ça n'a rien à voir avec Rome, non? Mais ça c'est parce que je pense au Rome. Au Tiponche. Un tiponge, deux tiponges, trois tiponges, doudou. Oh, un tiponge, deux tiponges, trois tiponges, doudou. Oh, doudou, doudou, oh oui, ma doudou. Ma gazelle. Hein, ça, c'est en Afrique. Ils nous appellent tous les gazelles. Tu sais, on est des gazelles et des gazous. Gazelle et gazou. Mais un tiponge, deux tiponges, trois tiponges, doudou. Oh, un tiponge, deux tiponges, trois tiponges, doudou. Oh, un tiponge, deux tiponges, trois tiponges. Nanana. Je me rappelle, je suis allée en Guadeloupe plusieurs fois. Trois fois, je crois. Attendez, une fois, deux fois, trois fois, bonjour les dégâts. Trois fois. Enfin bref, la troisième fois, c'était pour retrouver une copine que j'ai jamais retrouvée. Elle n'est jamais venue me chercher à l'aéroport. Enfin, pas à l'aéroport, au bateau. J'étais arrivée en bateau. Enfin bon, bref. Et alors, comment dirais-je? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que comment? Oui, en Guadeloupe. J'étais allée à Grande-Terre parce qu'il y a Grande-Terre et Basse-Terre hein, pour ceux qui connaissent hein, hein. Et Grande-Terre c'est le côté qui est très sec avec les cannes à sucre et tout le bastringue et la Basse-Terre c'est là où il y a la soufrière tout bastringue bon. Et moi j'ai commencé par faire la Grande-Terre je me suis dit je préfère commencer par le côté très sec enfin etc c'est très beau c'est un papillon la Guadeloupe c'est magnifique la Guadeloupe alors donc je vais faire un tour en Grande-Terre à Grande-Terre et là moi je rôde je rôde je rôde mais il faisait une chaleur à crever et tout ça et alors c'était entre midi et deux là entre midi et deux ça, ce que je vous raconte c'est la vérité j'étais morte de rire hein. C'est bien les Guadeloupéens bah c'est hein, c'est un Guadeloupéen qui voulait devenir Guadeloupé 2 alors il va voir un ami il lui dit comment je fais alors il lui dit bah t'inquiète pas dans un entillet. Alors donc, oui, alors donc, je rôde, je rôde, je rôde, et alors je crevais de soif, enfin, j'avais chaud, 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 pour lancer dans les cannes à sucre et tout ça, hein. Ah là là, hein. Et alors donc, je vois une cabane, parce que,
Et il y avait une cabane là comme ça qui était ouverte, marquée, je sais plus si c'est marqué bistrot, maintenant c'est pas marqué bistrot, mais c'est marqué bar, je sais plus ce que c'était marqué, je sais plus, franchement je sais plus. Mais bon, c'était pour, on pouvait aller boire un coup. Hein, c'est une maison comme ça, une maison comme ça. Et alors je rentre et la Guadeloupéenne, l'Antillaise, elle était en train de regarder les feux de l'amour à l'époque. C'est vieux, hein, je parle de ça, c'est très vieux. Elle regardait les feux de l'amour, et alors j'étais dehors, moi j'attendais, je me dis, c'est quand est-ce qu'elle va venir me s'occuper de moi, hein, parce qu'elle regardait les feux de l'amour, et puis bon, bah, moi, voilà quoi. Et alors, à un moment, je fais coucou, on peut boire un coup et tout ça. Elle m'a dit, oui, pas de problème, tu veux quoi? Enfin, moi, en antillais, moi, j'étais assez drôle. Hein. Et alors, elle me dit, qu'est-ce que tu veux boire, ma doudou, hein? Ainsi. Et alors donc je lui dis ben, j'aimais bien boire le café moi en ce temps-là. Hein. En ce temps-là, je buvais beaucoup de café, mais ça n'a pas changé, j'en bois toujours autant. Alors, et puis boire chaud, moi j'aime bien, ça me désaltère. Hein, voilà. Alors je lui dis, ben, je boirais bien un petit café. Hein. Elle me dit pas de problème. Bon, j'attends, et au bout d'un moment, elle revient, et alors elle regardait les feux de l'amour, c'est très important ce que je vous dis. Elle revient avec carrément la cafetière. La cafetière, la tasse, elle me dit, tiens, débrouille-toi, sers-toi à volonté. À volonté. Donc, parce que, en fait, je la dérangeais, quoi. Elle voulait regarder les feux de l'amour, puis je la faisais un peu. Voilà, quoi, je l'emmerdais, quoi. En gros, c'était un peu ça, quand même. Et ça m'a fait rire, parce que c'est bien la mentalité. Vous savez, c'est la mentalité des Antillais, hein. Tranquille, cool. Faut pas. Non, doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, hein. Ben, si, hein. Et moi, j'adore, parce qu'ils ont cette nonchalance et cette. J'adore quoi. J'adore parce qu'ils sont cool quoi. Vas-y, serre-toi, fais ce que tu veux. Moi, je regarde la télé. J'ai adoré. C'est un super souvenir et ça m'a marqué à tout jamais. Vous voyez, ça m'a marqué à tout jamais. Donc, si vous allez aux Antilles, si vous allez en Guadeloupe et dans Grande Terre comme ça, hein, dans les cannes à sucre, arrêtez-vous chez. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, j'en sais peu. Hein. De toute façon, elle m'a pas parlé parce que je vous dis, je l'ai dérangée. C'était vachement bien. Donc voilà, en tout cas, moi, ça me fait des super souvenirs. Bon, ben, j'irai à Rome, hein, boire du rhum. Alors, donc, t'as de la chance. T'as de la chance. Hein. Moi aussi, je veux y aller à Rome. Hein. Un jour, j'irai à Rome avec toi, boire de la tequila. N'importe quoi. Hein. Alors, donc, elle m'a mis plein de choses. Mais t'es folle. Oh là là. Moi, je vais faire passe-passe-passera. Hein. Si, passe-passe-passera. Il y a des fleurs, des lierres, des. On peut faire plein des jolies cartes avec ça. Hein. Oh, tout ce qu'elle m'a mis. C'est des stickers. Ah ouais, c'est des stickers. Oh, des papillons. Oh, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça comme ils sont colorés. Hein. Oh, mais t'es folle, t'aurais pas dû. Et puis ça, c'est de l'alphabet. Hein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Point d'exclamation. Point d'interrogation, c'est pas ma faute. Et si Yana, Annie, Anna, où est-ce que vous les récupérez ces trucs-là? J'en ai plein, vous m'en envoyez plein des autocollants comme ça de la mer, la mer, la mer, la mer qu'on voit danser au long des golfes clairs. Tiens, les bananes, tiens, des bananes, la Guadeloupe. Si, les bananes, moi je suis allée visiter aussi des bananeraies hein, en Guadeloupe. Et alors, je suis allée voir des bananeraies, je suis allée voir, voilà, c'était vachement intéressant. Voilà, vachement, vachement intéressant. Il y en a beaucoup des bananes hein, en Guadeloupe, hein. C'est vrai. C'est vachement bien. Vous savez, les voyages forment la jeunesse, hein, et ça rend, ça rend, c'est un bonheur de voyager. Hein. C'est vraiment un privilège, un immense privilège de pouvoir voyager. Hein. Bon, alors maintenant, je voyage plus. Déjà parce que j'ai mon loulou d'amour et il peut pas prendre l'avion. Je l'ai emmené une fois avec moi au Portugal, c'était une catastrophe. J'ai cru que j'allais le perdre. Ouais. Déjà dans l'avion, voilà, il était en soute et moi ça m'a traumatisé. Et lui aussi d'ailleurs. Et ensuite, il supporte pas du tout la chaleur. Et quand je suis arrivée au Portugal, en bas du Portugal, hein, dans l'Algarve et tout ça, eh bien, il a failli mourir parce qu'il faisait trop chaud et tout ça. C'était une catastrophe. Donc plus jamais, je ne voyagerai tant qu'ils seront là, mes bébés. C'est terminé, terminé pour moi. C'est pas grave, hein. Moi ça me prive pas. Hein. Je sais que c'est, mais je suis heureuse pour ceux qui peuvent voyager parce que c'est vraiment un immense privilège. Bon alors ils nous saoulent avec bon les avions, le carburant, les machins, gna gna gna, la planète, les ci, les ça. Mais bon déjà quand on voit, quand on se promène partout, hein, tout ce qu'il y a comme merde partout, hein, partout, 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 hein.
tous ces couillons là qui jettent les. Non, je sais, c'est pas comparable, mais j'en ai. Mais des canettes. J'arrête pas, moi, de faire attention à mon chien parce qu'il y a des canettes pétées par terre, des bouts de verre partout, des mégots partout, des machins, des trucs. Faut voir, c'est vraiment la zone. Hein, c'est vraiment la zone. Hein, c'est vraiment une. Ça devient une poubelle partout. Et on nous serine là parce qu'il faut pas. Machin, les avions, les ci, les ça. Faut pas voyager, faut pas ci, faut pas ça. La Grottenberg, là. Grottenberg, à nous, hein. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Nous donne des leçons à son âge. Mais attends, c'est bon, quoi. Enfin bon, c'est bon, hein, d'accord? Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, de toute façon, hein, voilà, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. En réalité, tout le monde fait ce qu'il veut et a rien à foutre de. Voilà. Moi, je suis pas parfaite. Et si je pouvais voyager, je voyagerais. Hein. Voilà. Et en avion, parce que ça va plus vite. Voilà, parfaitement. Et c'est le moyen de transport le moins dangereux au monde. Hein. Parce que, y a plus d'accidents en voiture, en tout, qu'en avion. C'est en avion, c'est le moins dangereux. Voilà. Alors, voyagez, et puis c'est tout. Si vous avez les moyens et que vous avez le temps et l'argent, voyagez, voyagez, voyagez. Point final. Voilà, c'est tout. Hein. Après nous, la fin du monde. Voilà. Hein. Bon. J'en ai marre, moi, des donneurs de leçons. J'en ai marre de tous ces gens qui disent « Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas manger de la viande, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Et gna 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 gna. Ah, mais c'est bon, quoi. Il faut se laver avec de la cendre du barbecue, là. Vous faites un barbecue, puis après, vous lavez votre linge avec la cendre, il paraît que c'est très bien. Vous lavez les dents avec, vous lavez les cheveux avec la cendre, voilà. On retourne au temps des Cro-Magnon. C'est bon, quoi. Oh là là. Bon. Alors c'est bien rigolo de faire son savon maison machin une fois de temps en temps comme ça ou de faire sa crème de jour voilà machin c'est très bien une fois de temps en temps voilà c'est rigolo c'est sympa avec les copines nanana mais sinon au jour le jour faire tous ces machins vous avez le temps de faire vos crèmes vos machins vos trucs surtout que ça dure pas longtemps hein. Bah, faut les conserver faut les utiliser vite alors vous vous tartinez vite parce que le pot il va périmer et puis vous allez choper des boutons partout n'importe quoi. Non, non, moi je suis pour le modernisme. Je suis pour le modernisme et je suis pour. Voilà, c'est bon. Il faut vivre avec son temps. Et ben, notre temps, c'est ça. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le seul truc qui est bête, c'est que les gens ne respectent pas. Hein. Si moi, ils ne respectent pas la nature, ils ne respectent pas les animaux, ils ne respectent pas les gens, c'est ça qui est grave. Hein. C'est pas le fait que. Et ceux qui vont sur ma. Ils prennent des fusées, des machins, et tout ça, c'est pareil, ça. Hein? Voilà. Bon, c'est bon, quoi. Hein? Faites pas ci, faites pas ça, gnagnagnagnagna. C'est bon. Allez. Eh bien, moi, je suis très heureuse pour ceux qui voyagent. Voilà. Parce que les voyages, ça forme la jeunesse, premièrement. Parce que les jeunes, ils voyagent beaucoup, vous savez. Je sais pas où ils trouvent l'argent, mais en tout cas, ils voyagent beaucoup. Ils font des trucs Erasmus, tout bastringue, là. Vous savez. Non, ils voyagent, ils ont raison. Voyager, voyager, aller découvrir le monde. Allez. Parce que quand on est vieux, on peut plus. Hein, on a mal ci, on a mal là, on peut plus marcher, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. On peut plus rien faire quand on est vieux. Hein. Rester au club, à la piscine, là, payer une fortune pour aller à un hôtel et rester des plombes bronzées à la piscine. Il y en a pour tous les goûts, attention, hein, c'est pas un jugement là. C'est juste que ça, on peut le faire justement quand on est vieux. Parce que, voilà, mais quand on est jeune, faut galvauder, faut aller de par Mons et par Vaud, profiter, profiter. Parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va crever. Hein. Maintenant, on sait pas, demain on est mort, ça se trouve, et puis on n'aura rien fait parce qu'on aura essayé de pas faire ci, pas faire ça. Mais non, 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 non. Profitez de la vie, si vous pouvez, profitez de la vie, puis c'est tout. Voilà. Moi, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Mais en respectant, c'est pas faire n'importe quoi, pas foutre ses poubelles, machin, pas faire n'importe quoi, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, je sais pas, j'ai compris quoi. Hein. Manger raisonnablement, pas se goinfrer, hein, ou pas jeter la nourriture, essayer de pas gaspiller, c'est ça qui est bien. Hein. Mais comme je disais, de toute façon, il faut consommer, consommer, consommer. Hein, ils fabriquent, ils fabriquent, ils fabriquent pour qu'on achète, qu'on achète, qu'on achète. Alors, c'est qui les fautifs? C'est nous? Ah non? Non, c'est pas nous les fautifs. Non, il faut consommer, 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 acheter, acheter, acheter. Bah, arrêtez de fabriquer. Hein? Arrêtez, arrêtez de fabriquer, arrêtez de nous vendre. Hein, nous dire que oh, c'est plus bon, le yaourt, il est plus bon dans 8 jours. Mon cul, mon cul, mon cul. Votre yaourt, il est toujours bon. Mais on vous dit de le jeter, vous allez être malade, vous allez mourir. Hein?
parce que vous avez mangé un yaourt nature périmé de 8 jours. C'est faux, c'est archi faux. Hein. D'ailleurs, les ferments, ça périme jamais. Hein. Donc, puis tous ces trucs-là, les conserves, les machins et tout ça, hein, pour que vous puissiez continuer à acheter. Hein. Et voilà, ça c'est grave. Ça, c'est grave. Parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Qui crèvent de faim. Hein. Et alors, par contre, on leur donne les trucs périmés. Hein. Par contre, eux, ils peuvent les manger. Hein. Les trucs périmés tout pourris, là, par contre, on peut les donner. Ah, si, on peut les donner. C'est ça. À ceux qui ne peuvent pas se nourrir. Hein. Nous, on ne peut pas les manger. Hein. Vous avez compris, quoi. Vous avez compris, quoi. Alors, voilà. Un jour, j'irai à Rome. Hein. Je ne suis jamais allée en Italie. Non, je ne suis jamais allée en Italie. Si une fois la frontière, mon papa, là, il avait une course à je sais plus où. Je m'en rappelle même plus, vous avez qu'à voir. Non, je sais plus où c'était. Parce que c'était, on a été une journée comme ça, mais rapide, rapide, juste pour la course. Et c'était en coup de vent, c'était. Je sais plus ce qu'il y avait, mais. Et je sais même plus où c'était, vous avez qu'à voir. Mais je suis jamais allée en Italie. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est pas. Mais les Italiens, ils sont. C'est cher en Italie. C'est cher la vie en Italie. Hein. Les hôtels sont chers. Voilà. Si, je crois que j'ai entendu parler de ça, que c'était assez cher l'Italie. Alors, du coup, voilà quoi. C'est pas une ville, c'est ouais, je sais pas. C'est pas un pays qui m'attire en premier. Ouais, je sais. C'est dur, non? Il y a des Italiens parmi les. Oh, je crois que j'ai perdu plein d'abonnés là. Les Italiens ils me suivent pas, non? Non, non, non. Viva l'Italia! C'est pas ça, non? C'est Viva l'Espagna. Hein. Je suis Rital et je le reste, dans le verbe et dans le geste. J'ai la mémoire de mon espèce. Je Pourtant, j'adore les chansons italiennes. J'adore Cocciante, j'adore Barzotti, j'adore la chanson italienne. Mais grave, 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 grave. Un jour, j'irai. Un jour, j'irai voir ma copine Pascale, puis elle m'emmènera en Italie. Bah si, elle est pas loin, elle est à la frontière. Hein. Même Maria, elle est pas loin de l'Italie. Hein. Tous ceux qui sont dans le sud, ils sont pas loin de l'Italie. Hein. Donc voilà, ça vous intéresse pas? Vous avez vu comment je suis capable de parler? Hein, je suis une grande oratrice. Hein. C'est cela. Alors, je suis surtout une pipelette pas possible. Hein. Donc elle m'a mis plein de choses, des cadeaux, et un défi ATC. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle m'a fait un défi ATC. Alors, faut que je fasse une série d'ATC, c'est ça? Ah la vache. Ah, mamie des patouilles? C'est pas tout. Défi ATC. Bon, ben, je le ferai. Oui, je le ferai. Je le ferai, je te les enverrai, c'est ça? Sur le thème de Rome, non? Sur le thème de Rome. Ça me donne envie de mettre des poissons là-dedans. Hein. Les poissons de Rome. Des poissons de Rome. Alors, je ferai ça, pas de problème. Donc, je te remercie. Mais surtout, 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 hein, je te souhaite de très, très belles vacances. Profitez-en bien, profitez-en bien. Vous avez bien raison. Voilà, moi je suis à fond, à fond, à fond pour les voyages. Vous avez compris. Voilà. Et là, c'est ma petite Josette d'amour. Hein. Ma petite Josette. Alors, pour ce faire, comment je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu m'envoies? Non, je ne sais pas. On m'a dit qu'elle m'avait fait des créations. Un jour, j'irai à New York avec toi. Toute la nuit, déconner. Et voir aucun film, ni ne va de soi. Avant la vie, taille. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Et tu m'emmèneras. Oh, emmène-moi. Emmène-moi. Un jour, j'irai. Un jour, j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Oh, c'est quoi tout ça? Moi, j'ai peur. J'ai mal. J'ai mal. Oh, ça fait mal d'ouvrir vos colis. Non, c'est vrai, j'ai peur. Oh, c'est quoi tout ça? Oh la vache. Oh là là, mon Dieu. Alors, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, laissez-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours. Elle m'a mis plein de papier. Comment ça s'appelle ça? Vous savez, le papier. Crépon, 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 hein, pour protéger. Ah là 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 là, elle m'a fait un joli mood board. Magnifique mood board. C'était super sympa. Bravo. Oh, il est trop beau. Hein. Mais dis donc, hein, c'est une artiste, hein, si. Hein. Elle m'a fait un super mood board détente au jardin. Regardez comme il est beau son mood board. Trop, trop bien. C'est super. Hein. Waouh, j'adore! Il est magnifique! Et là, on a fait un mini. Oh, c'était tout mignon!
Fais main et tout. Ouais, dis donc, la classe, hein. Fais main, nanana, Joseph. Il est trop magnifique. Regardez-moi ça, c'est super sympa. C'est bien ça pour les collectionner, les moodboards, hein, comme les pocket letters. On peut les collectionner, on les met dans un classeur, on peut les échanger avec des copines. Sur un thème donné, vous donnez des défis à votre binôme. Un défi à votre binôme ou à une copine, hein, une autre scrappeuse du groupe. Hein. Petit défi entre vous, parce que c'est moins long à faire qu'un junk ou un machin comme ça, vous voyez. Un petit défi moodboard entre vous. Vous vous donnez des thèmes. Et puis hein, vous collectionnez vos moodboards, c'est sympa aussi, ça change. J'adore, c'est très très joli. Et puis ça change aussi des pocket letters, hein. Voilà, c'est super sympa, hein. Super sympa, adorable. Et puis ça vous fait utiliser vos die cuts, vos machins, vos trucs, hein, regardez. Là, utiliser des die cuts, hop. Ouais, c'est super sympa. Et là, c'est le thème des chats. Oui, titi, tout mignon. C'est adorable, hein. Oh, c'est trop mignon. Là, c'est un plus petit, hein, c'est un A5, hein, c'est un A5, c'est une A4 divisée en deux. Je le dis, ça c'est pour toutes les... Hein, vous voyez, c'est un A5, c'est la moitié d'un A4, hein, voilà. D'une A4, enfin d'un A4, d'une feuille A4 ou d'un... Et donc là, c'est sur le thème des chats. C'est trop adorable, regardez-moi ça si c'est pas mignon. C'est vachement bien fait, hein. Mais comment t'as fait toutes tes cases? T'as des pochoirs moodboard, non, sûrement. Elle a peut-être des pochoirs... Parce que ça existe, hein, les pochoirs moodboard, hein. Ça existe. Ça fait joli, hein. Ça fait joli, hein. Ça fait super joli. Bravo, il est trop beau. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Magnifique. Superbe. Et là, c'est quoi? C'est des ATC sur le thème des chats. Oh oui, c'est une petite série d'ATC, tout mignon, mignon. Le petit chat gris. Oh, les chats, au pluriel. Une petite série d'ATC. Donc, elle a fait des patouilles, hein, avec des... Voilà, je ne sais pas, c'est des patouilles, voilà. Des encres aquarelles. Je ne sais pas avec quoi elle a fait ça. Voilà, hop, hop, hop. Tout mignon, mignon. Une petite série de 3 ATC. Hop là, adorable. J'adore tes moodboards. Ils sont superbes, superbes, superbes. C'est quoi ça? Ah oui, c'est parce qu'elle avait mis les ATC dedans. Je vais les remettre comme ça. Hop. Super, super, super. Hop là. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est tout plein de sentiments, des choses, non? Des trucs, des bidules. Ça, c'est grand bruit, quoi. Ou là, il fait nuit déjà. Oh là, il fait nuit. Non, c'est parce qu'il fait moche. Et comme il fait moche, le ciel est gris. Il est gris, gris, gris. C'est des sentiments. Savourer ces moments. Rire, carpe diem, plaisir simple. Des petits plaisirs. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il y a plein de sentiments, plein de choses. Je pourrais les mettre en partage hein, éventuellement. Guitare, hein, j'ai la guitare qui me démange. Là, c'est pour faire des trucs sur le truc des thèmes de la musique. Hein. Il y a synthétiseur, accordéon, cymbale, saxophone, contrebasse, orchestre, concert, comédie musicale, scène, balcon, hard rock, poupette, vieille charrue. Ça n'a rien à voir avec la musique, ça. Mais bon, hein. Country, ah la country. Ah, ça j'adore. J'ai retrouvé des vidéos de country, quand je faisais de la country avec le groupe là, des copines, on rigolait bien. Là, par contre, c'était, j'avais des copines de country, hein, parce que chaque fois on allait au bal et tout le bastringue, et on passait des bons moments, hein. On passait des bons moments, des bons moments, des bons moments, de danse, hein. Moi j'adore danser, alors donc ça c'était sympa, puis après il y a eu le Covid et puis ça a tout foutu en l'air, enfin moi ça m'a tout foutu en l'air, hein, je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Enfin bref, le Covid ça nous a bien pourri la vie aussi ça, enfin, et ça c'est des jolis tamponnages de fleurs, de libellules, c'est très beau, ils sont très beaux tes tamponnages, c'est des tamponnages? Ah ouais, c'est des tamponnages, ils sont magnifiques, hein. Regardez-moi ça, je pourrais les partager, c'est des gros tamponnages, c'est joli ça pour mettre au milieu d'une carte, voilà. C'est très beau, ils sont très beaux. Et là, c'est quoi? C'est aussi des tamponnages, pareil. Et là, c'est quoi? Il y a marqué quoi? Putain, j'arrive pas à lire, c'est une catastrophe. Ah non, c'est des cabines téléphoniques avec des petits pébrocs. Bah tiens, c'est Londres. C'est Londres. Là, c'est Londres. Là, c'est Londres aussi. C'est Big Ben. Hein. Je reconnais Big Ben. Hein. Ça, c'est Big Ben. Et ça, c'est des buildings. Hein. Et puis là, c'est quoi? C'est quoi? C'est des chaises de camping. C'est camping. C'est camping. Voilà, donc je pourrais les mettre en partage aussi. Pas aujourd'hui, hein, pas aujourd'hui. Je vous le dirai, de toute façon, vous regardez sous la description.
dans les vidéos, vous regardez dans la description et quand il y a marqué lien, machin, truc, bah vous. Ah, d'accord, ok. Je, voilà. Et ça, c'est d'autres sentiments aussi. Horizon lointain, j'essaierai de le faire si j'ai le courage. Ah, si j'ai le courage, je le mettrai sous cette vidéo-là. Il faut que je scanne, machin, tout ça. Hein, d'accord? Je le ferai. Voilà, là, c'est tous des thèmes sur le... Des sentiments, des choses sur le... Comment dirais-je les vacances, les voyages, les machins. Justement, on vient juste d'en parler. C'est rigolo. Voilà. Hein, on nous fait plein de trucs. Regardez, c'est ça qui me... C'est ça qui m'amuse. Qui me fait rire jaune, hein, quand même. Vous voyez, on nous fait faire... on nous fait des... Des avions, des machins, des trucs, puis on nous dit « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous faites des cartes, mais voyagez pas, hein, hein, c'est ça. Hein. » Alors donc, voilà. Et donc, c'est marrant parce que je viens juste d'en parler, c'est trop drôle. Hein. La tête ailleurs, croque la vie, voyage au-delà des frontières, 100% globetrotter, c'est le bonheur de voyager. Voyager. Moi-même, pourtant, j'adore mon pays. Hein, j'adore la France. Hein, je trouve que c'est vraiment un très, très beau pays. Et d'ailleurs, quand on voyage et qu'on revient chez nous... Enfin, moi, je sais pas pour ceux qui ont déjà voyagé et qui... Eh bien, moi, je suis toujours contente de rentrer chez moi, tout le temps. C'est très bien. Partout, c'est bien. Mais j'aime bien mon pays, quoi. Il n'y a rien à faire. J'aime bien mon pays. Même s'il y a des pays où je trouve que il serait bon d'y vivre... Voilà, sur les continents asiatiques, ils ont une douceur de vivre, une philosophie, voilà, agréable et tout ça. Mais, ouais, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de monde parfait, hein. Bah non, il n'y a pas de monde parfait, hein. Ni de personne parfaite, d'ailleurs. Donc, je les mettrai en partage au cas où, hein, si je... Hein. Et ça, c'est des créations. On m'a fait plein de créations, je sais, parce qu'elle me l'a dit, hein. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, attendez. Parce qu'il ne faut pas que j'abîme, que je déchire ou que je fasse des bêtises. C'est un cadre, ça. Ou ça sent le cadre, je ne sais pas quoi. Alors, voyons voir. Un cadre. Hop. Oh, c'est un diamond painting. Ah, oh, mais je vais le mettre derrière moi. Regardez comme il est beau. C'est un diamond painting avec des papillons. Et ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. C'est quoi comme fleur? Des jonquilles? Non, non, non. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Je vais l'accrocher derrière moi avec les autres diamond painting. Il est pétillant, hein. Il y a de la couleur, hein. C'est très, très joli. C'est très coloré. C'est très joli. Très, très joli. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, par contre. Non, je ne sais pas. Eh bien, je vais l'accrocher derrière moi avec les autres. Voilà, il va rejoindre la collection de Diamond Painting. Magnifique. Oh, t'es folle. Oh là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, on a une jolie boîte. Ah, je me demande si je n'avais pas fait ça un jour en tuto. Que je sais la faire, cette boîte. Je sais la faire. Vous savez, je suis grande, je sais la faire. C'est des boîtes pliées. C'est bien, ça. Hein. C'est joli comme forme, hein, en triangle. Donc là, elle a mis... Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce que c'est? Oh la vache. J'aime bien ce genre de boîte. Mais je sais pas si c'est la boîte que j'avais fait. J'en sais rien, je sais pas. Ça sent bon là-dedans. Ah, c'est des bonbons. Oh, c'est des chocobons. Ah, c'est des chocobons. Ah, j'adore les chocobons. J'adore. Mais j'ai le droit. C'est joli, hein. C'est des chocobons. Tiens, je vais en manger un tout de suite. J'adore. J'adore tout ce qui est Kinder, là. C'est vachement bon. Par contre, je vous l'ai dit, non. Ils ont fait de la pub, là, pour un nouveau biscuit, là. Kinderi, là. Kinderi, je sais pas quoi. J'ai testé. Ouais, bof. Bof. Je suis un peu déçue parce que ça coûte une blinde. Hein. Le paquet, c'est quasiment 4 euros. Hein. 3 euros et quelques. Enfin, moi, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais bon, ça m'avait semblé hyper cher. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, je goûte parce que c'est Kinder. Je ne suis pas prêt d'en racheter. Hein. Je goûte tout de suite. Hein. Voilà. Moi, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Non. Ah, ça, par contre, c'est très bon, les chocobons. Oh là là. Alors, ça va aller dans mon petit... Pour ma petite tisane. Parce que j'ai déjà attaqué le paquet de Prince. Le prince, il est déjà niqué à la moitié. La tablette de chocolat au lait... comment, fleur de sel, là. La moitié y est passée. Je suis horrible, là. Je suis horrible. Je mange trop de choses. Trop, c'est trop, hein. Trop picot, hein. Vous avez compris. Hein. Je suis trop gourmande, c'est une catastrophe, ça me jouera des tours. Hein. C'est quoi, tout ça? Oh, la vache. C'est quoi? Ouh, c'est joli, ça. Mmh.
C'est un joli petit album. J'aime bien ces reliures-là. C'est facile, rapide, c'est pratique. Regardez comme c'est beau. Le joli papier, c'est bon les chocobons. Oh la vache. Ces jolis papiers mauves, il y a une vie de Marguerite, le cœur, les papillons, il y a mes symboles. Elle a fait une reliure comme ça, vous savez, même des petits trous, un petit ruban, c'est tout adorable. Et il y a, oh c'est joli, regardez comme il est beau le papillon. Il est magnifique le papillon, il est trop beau. Un petit album comme ça, photo, hein, pour mettre des photos, que sais-je. Hein. Regardez comme c'est joli. Oh, c'est trop beau. Hein. Oh là là, il est beau le papillon mauve. Il est beau. C'est des petites cartes, ah oui, c'est des cartes, hein, c'est pour faire un petit album, regardez. C'est trop joli, hein. Trop, trop joli. Regardez-moi ça comme c'est adorable, cette petite collection de papillons là. Ah oui, à chaque fois, elle a mis des papillons, ils sont trop magnifiques. Ça va, mon amour? Mon petit loulou. Qu'est-ce qu'il est beau, ton album papillon? Magnifique, magnifique. Il était beau aussi cet album-là. Hein. Je sais pas si je. Il m'en reste des papiers comme ça. Il semble que j'en. Bon, je l'ai peut-être tout utilisé, je sais plus. Sont très 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 jolis. Hein. Magnifique, magnifique. Ça va, mon amour? C'est beau, c'est du bon boulot. Hein. C'est très joli, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Hein. À chaque fois, les petits cœurs, les marguerites, vous savez, ça représente mes symboles, hein, vous avez compris. Moi, vous allez me connaître par cœur. Et oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces papillons. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Hein. Oh voilà, regardez-moi ça. Et donc, elle a détouré les papillons. Et puis, quand vous détourez les papillons, je vous le dis toujours, il faut couper les antennes, hein, parce que c'est chiant à détourer ça, les petites antennes là. Faut pas s'amuser à les détourer, hein. Non, faut les couper, hein. Enfin, moi je dis ça, vous faites comme vous voulez si vous voulez les détourer, mais après il y a du blanc autour, c'est pas joli. Autant carrément les couper, puis vous voyez, elle a mis, pour les remettre là, elle a mis des petits pistils, hein, qu'on utilise pour les petites fleurs et tout ça. Elle a mis des pistils, hein. Vous pouvez mettre des pistils, vous pouvez mettre des petits fils métalliques, là, les petits fils très fins, dorés ou noirs, ou il y en a plein, hein, ils en vendent plein, des fils dorés, des rouleaux de fils dorés très fins, là, un peu rigides, des petits fils de fer, là, mais tout fin, tout fin. Et alors, c'est super, ça fait hyper joli. Parce que les fils de fer, vous pouvez les manipuler pour qu'ils fassent une petite torsade, comme ça, un petit escargot, là, tout en haut, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est joli aussi, c'était tout mignon, hein. Voilà, après, mais c'est les pistils, c'est très bien, ça fonctionne super bien. Il y en a toutes les couleurs en plus, c'est trop beau. Et donc voilà, il est mignon tout plein ton album, je l'adore, il est très très joli. Alors tes papillons, c'est une splendeur. C'est un très bel album collection papillons. Hein. Sublime, sublime, j'adore. C'est vachement bien fait, c'est propre, elle a ancré tous les bords en mauve. C'est très beau, très très beau. Je te remercie du fond du cœur, il est très beau. Voilà tout ce qu'il y a. José. José, José, José. José. Ah non, je me disais. Non, parce que je viens de voir une bougie là et je viens d'en allumer une. Il y en a une qui est en train de brûler là. Je l'allumerai demain. Il y a une petite bougie. Je les allume pour mon papa. Dis donc, qu'est-ce que tu manges, Joy? Tu vas être malade si tu manges ça. Tu as faim? Tu attends un petit peu, je vais te donner à manger. Maman va te donner. Hein? Je vais te donner mon cœur. Ça me déprime ce temps. Oh là là. On est quand même mi-juin et il fait un temps. Oh là là. Bon, bref. Je la ferai brûler demain. Je te remercie du fond du cœur. Ça dure plus longtemps, les grosses bougies comme ça. Puis vous m'en envoyez des belles, des fois des bougies, j'ose pas les allumer. Non, je sais, je suis con. Hein. Alors, quand vous avez des bougies comme ça, il faut au moins brûler la mèche. Même si vous l'éteignez tout de suite, il paraît. Je sais pas, c'est des superstitions à la mort moelle-neuve. Hein. Il faut au moins allumer la mèche. Après, vous l'éteignez si vous voulez pas abîmer votre bougie. Ouais, je sais, c'est nul. On m'a fait une super bougie noire là, avec les boules. Là. Je sais pas si c'est pas des bougies que vous avez achetées chez Action, les kits pour faire des bougies. J'ai vu qu'il y avait ça chez Action. Bon, moi, je vais pas en faire, mais j'ai vu qu'il y avait des kits pour faire des bougies. Avec les moules. Par contre, c'est intéressant pour avoir le moule. Hein, si on veut faire autre chose avec le moule, de la résine ou des trucs comme ça. Ou autre chose, un gâteau, hein. On peut après, parce que les moules en silicone, après, vous pouvez vous en servir pour faire des petits gâteaux et tout ça en forme de bougie. C'est rigolo. Ou des flans, vous savez, des petits flans, les flans. Oh là. Et quand on était mioche, on faisait des. C'était pas cher, les flans Alsa. Alsa! Les flans à la pistache, au chocolat, au praliné, tout ça, à la fraise. Qu'est-ce qu'on en a fait de ça? C'était pas cher, hein, le sachet là. On mettait ça, et puis quand on n'avait plus de sous pour avoir de l'eau, on faisait du flan avec de l'eau. C'était moins bon, mais on le mangeait quand même. Hein.
Et franchement, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça existe toujours les flans comme ça là? Eh bien, ces petits moules silicone là, quand on fait, après vous avez fait les bougies, vous n'avez pas racheté de la. Au prix que ça coûte les bougies chez Action, vous avez compris quoi. Voilà. Parce que ça coûte cher les pastilles de cire là pour faire les bougies soi-même. Voilà. Enfin bref. Ça occupe les enfants une journée, quoi. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que après les moules en silicone, par contre, on peut se les garder pour la cuisine. Faire des petits flans comme ça, vite fait. Hein, c'est rigolo en forme de bougie. Mais si, c'est rigolo, hein. Faites croire à un gamin que c'est une bougie et puis vous lui faites manger. Il dit, mais non, mange, mange la bougie. Moi, je sais, je suis une grande malade. Hein. C'est quand même pour ma faute. Hein. Donc voilà. Et alors, tout ça pour dire quoi? Je sais plus pourquoi, je sais plus. Oh là 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 là. Tagada. Ah, c'est trop bien! Moi, c'est trop bien! Elle m'a fait un album Tagada. Oh, c'est trop joli! En plus, il est magnifique, hein. Oh là, il est trop beau! Ouais, j'avais plus de place, ben, je vais le remplir avec tous ceux que j'ai pas pu caser dans l'autre. Il est trop. Tagada, Tagada, soigne, soigne. Il est vachement beau et puis alors en plus c'est carrément il y a des mais c'est vachement bien et oh, c'est drôlement beau ce que t'as fait les petites pochettes et tout avec la dentelle tout bastringue. Oh non attendez j'en fais tomber le est vachement descendu hein, c'est vachement bien comme colle ça hein, ça si c'est oh là c'est vachement bien alors je l'ai fait tomber c'est pour ça que je vous le montre ça c'est le Tagada Tagada Swan Swan hein, voilà regardez-moi ça s'il est magnifique 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 hein, magnifique hein. Il est trop beau oh c'est trop bien hein, je vais pouvoir ranger regardez si c'est pas magnifique donc un jour je vais ranger ceux qui tiennent pas dans le et faire ça tout à l'heure tranquillement hein tranquillement. Et puis voilà. Oh là 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 là, c'est vachement bien. À chaque fois, il y a une jolie marguerite en plus. Petite pochette dentelle. C'est vachement bien. Hein. Wow, et vachement bien. Hein. Oh la vache. Trop beau. Ah, oh, c'est trop trop bien. Oh, le travail pour faire tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Super, super, super. Je vais le mettre avec. T'as compris, hein? Si, je vais faire ça tout à l'heure. Génial. Alors ensuite, c'est quoi ça? Oh, je sais pas. Ça se mange, hein? Ça se mange. Hop là. Tiens, t'as vu? Ça se mange. Ah, oh, j'avais raison. Si, j'avais raison. Je suis incroyable. Hein. Je sens à 100 km, enfin minimum, minimum 100 km, les choses qu'il y a à manger ou pas. Hein. C'est le bassin d'Arcachon. Moi, j'adore Arcachon, puis les bonnes huîtres à Arcachon. Vous savez qu'Arcachon, c'est une très belle, c'est une ville, c'est une des villes les plus, comment on dit, le bassin d'Arcachon. Hein. C'est une ville des plus, comment on pourrait dire saine, c'est-à-dire où on respire le mieux, où c'est le plus sain, où c'est le plus. Comment on pourrait dire? Enfin bon, le bassin d'Arcachon, c'est réputé pour être vraiment très, très bon pour la santé, ceux qui habitent là-bas. Et alors, les bonnes huîtres, hein, bassin d'Arcachon. Moi, j'adore Arcachon. Hein, j'adore, de toute façon, toute la côte atlantique. Bon, j'aime tout. C'est pour ma faute quand même. Mais alors, Arcachon, Arcachon, oui, je connais très bien. Hein, je connais très, très bien. Et c'est des petits biscuits, des petits sablés d'Arcachon. Je connais pas, mais je vais bientôt connaître. Hein. Et alors, j'ai le droit, non mais dites donc. Hein. Et voilà. Oh là là. Oh, ça doit être très bon. Hein. À la fleur de sel en plus. Oh là 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 là. Regardez, en plus, les paquets sont trop beaux. Regardez. Hein, même les paquets, les beaux. On a même pas. On a peur de les manger. Et alors, après, dedans, je mettrai des scrapbidules sur le thème de la mer. Si, le thème de la mer. Hein. Je te remercie. Oh là. Je m'en fous de pas le cornet. Hein. Parce que je crois que sa fille, elle habite à pas loin d'Arcachon en tout cas. Ça. Je sais plus quelle ville, mais ça doit être pas loin. Il me semble. Hein, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et encore, hein, d'hippocampe, d'hippocampe. Alors ça c'est quoi? C'est un joli sac en tout cas rose pastel. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a plein de scrap bidule là-dedans. Il y a plein de petites choses. Alors attendez, comment je vais l'ouvrir? J'ai peur. Si j'ai peur, je sens que je vais m'en foutre partout. Voilà comment je vais faire. Ah, j'ai peur. Je vais faire des bêtises. Ah voilà, je m'en doutais que c'était tout plein de choses. Oh, tout ce qu'il y a là-dedans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi? C'est un ange. Oh, c'est un ange. Oh là, tout ce qu'il y a là-dedans. Des petits brats. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que les miens. Non, c'est quoi que j'ai cherché l'autre jour? Les brats. Ah si, je les ai retrouvés, sont là-bas, mais j'avais presque plus rien. Oh, tout ce qu'il y a. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un joli cœur. Des brats, en veux-tu, en voilà. Il y a tout plein de jolies choses. Tout plein, tout plein. C'est une tortue, ça? Ah non, n'importe quoi, c'est pas une tortue du tout, hein, c'est quoi? J'ai le hoquet. J'ai le hoquet. Un chocobon, j'ai le hoquet. Non, mais il faut le faire quand même. Hein. Pardon, excusez-moi. Enfin, veuillez m'excuser. Parce qu'il paraît. Non, on ne dit pas excusez-moi. Vous savez, ça ne se fait pas de s'excuser soi-même. Non, on demande pas aux gens de nous excuser. On dit pas excusez-moi, on dit je vous prie de m'excuser. Je vous demande de m'excuser, mais on ne dit pas je m'excuse. Voilà, c'est ça. On ne s'excuse pas soi-même. On dit pas je m'excuse, on dit je vous demande de m'excuser. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, ça c'est là. Ça, c'est pour parler correctement, hein, bah si, quand même. Hein. Dites donc, dites donc, dites donc. Hein. Faut bien que je serve à quelque chose, des fois. Regardez, hein, l'arbre de vie, les cœurs. Ah, des coquillages! Coquillages et crustacés. Il y a quoi? C'est quoi ça? Je vois rien du tout. Hein. Je sais pas. Je vois pas, mais je verrai demain, hein, un autre jour. C'est quoi ça? Un ange? Ah non, c'est une petite fée. Oh, c'était tout mignon. Bon, je regarderai ça en détail. Il y a plein de petits brats. Moi, j'aime bien travailler avec les brats aussi. J'aime bien. De toute façon, j'aime tout. Alors. Je te remercie. C'est tout mignon. Petite boîte impeccable. Super. Et enfin, si, enfin, on arrive à la fin, les amis. On arrive à la fin. Eh bien, ça prend 1 heure de vidéo, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Je vous ai bien saoulé. Je suis sûre que je vous ai bien saoulé. Avec le rhum. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour danser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, on n'a rien trouvé de mieux. Ouais, mais à défaut d'aller à Rome, on n'a qu'à en boire. Hein, puis c'est tout, on a le droit, non mais dites donc. Hein. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Hein. Alors, ça, c'est quoi? C'est très beau, ça. Je sens que c'est très beau. Hein. Ah, elle aime bien faire ça. Ça, c'est des cartes puzzle. Et elle aime bien faire ça. Je crois que j'ai jamais fait de tuto là-dessus. Non, 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 j'ai jamais fait de tuto. Je pourrais en faire un. Hein. C'est les cartes pyramides. Les cartes pyramides, puzzle, je veux dire. Puzzle, mais qui tourne. Il faut que je reconstitue l'image là en tournant les disques. Si? C'est tourne-disque. Tourne-disque, tourne. C'est très beau ce que tu as fait. Regardez-moi ça si c'est pas joli. La marguerite, le cœur, le papillon. Voilà. Fabuleuse. Alors fabuleuse. On va voir ce qu'elle a mis en fabuleuse. Il y a un petit mot, je vais le lire après. Je vais le lire après. D'abord, je fais l'image. Et on tourne les disques là. Hop. J'ai le droit, je m'amuse. Non mais dites donc, c'est tout à fait mon droit de m'amuser quand même. Attendez. J'espère que c'est pas trop difficile, que c'est à mon niveau. Hein. J'espère. Ça doit être une fleur, non? C'est intéressant de faire ça. Ça pour les enfants, c'est génial. Hein. C'est génial. Attendez, parce que je sais pas, ça va là? Ça va, c'est pas trop dur peut-être, non? Je sais pas. Comme ça là? J'ai un doute. C'est bizarre. Je crois que c'est pas ça. Non, je crois que c'est pas ça. Attendez. Je suis nulle. Ah non, c'est là. C'est ça. Je suis nulle. C'est quand même pas ma faute si je suis nulle. C'est où là? C'est là, non? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Si, c'est ça. Et là? J'adore faire joujou. C'est ça là? Non, c'est pas ça. C'est pas facile, hein, vous savez. Puis elle a tout mélangé exprès, hein. C'est pour. Bah si, c'est. Elle a tout mélangé bien exprès pour que je ne trouve pas, hein. Si, elle l'a fait exprès, hein. J'en suis sûre, hein. Vous me faites du mal, hein. C'est pour me faire du mal. N'importe quoi. Oh là là, j'y arrive pas. C'est pas ma faute quand même, j'y arrive pas à trouver. C'est ça là? Ah oui, ça y est, c'est ça. C'est vachement dur, hein. Oh là là. J'ai mal à la tête, ça y est, j'ai mal à la tête. Hein. Ça, c'est quoi? C'est où? Je trouve pas. Oh, je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas. Attendez, comment je vais faire? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. C'est là. Et là? C'est vachement dur. Hein. Oh là là. C'est comme ça, là?
Non, c'est comme ça. Hop, là, là c'est là. Et là. J'ai réussi, hein. Voilà, regardez. Ça y est, j'ai réussi. Ah, c'est quoi? Comme ça. C'est une fleur? Je sais pas. Ah, si, je l'ai réussi, hein. C'est ça, hein, non? C'est pas ça? Ah non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, n'importe quoi. Non, c'est pas bien. Ouais, bah on disait que c'était ça. Hein. Ouh là là. Si, c'est ça. Hein. On disait que c'était ça. Non, mais je sais pas à quoi ça ressemble. C'est une fleur. On disait que c'était une jolie fleur. Une jolie fleur, une jolie fleur. J'y arrive pas. C'est pas ça du tout. Hein. Je crois que j'ai fait des bêtises. Ouais, bon, on disait qu'on était content. Vous dites que c'est bien. Hein? Si, vous dites que c'est bien. Alors, regardez comme c'est beau. Hein. C'est vachement beau, la petite pochette, machin, tout ça. Attends, c'est trop magnifique. Et là, elle a fait un petit mot. Ah, si, un petit mot. Hein. Si, c'est un petit mot. Mais dis-tu tout mignon. Alors, je vais lire. Ah, bah oui. Elle était chez sa fille Angélique. Ben oui, je viendrai te voir. C'est promis, c'est promis, c'est promis. Hein. Mais quand, je sais pas, punaise. Parce que là, saison, juillet, août et tout, il y a trop de monde et tout. Je sais pas, je vais réfléchir. Hein. Mais oui, mais je te promets, je t'ai promis. C'est promis, c'est vrai en fait. Et quand je promets, quand je dis, je fais. Hein. Après, il faut que je m'organise, c'est tout. Il faut que je m'organise parce que mes loulous, tout ça, mes bébés, mes machins, mes machins. Je viendrai. Je remercie du fond du cœur. Je remercie, je vous remercie, hein, Sylvie. Tout ça. Bonnes vacances, hein, tu l'auras compris. Hein, je suis pour les voyages à fond, à fond, à fond. Alors, je sais pas, ça se trouve, tu vas en voiture à Rome. Hein, ça se trouve. Hein? Ça se trouve, tu vas en voiture. En tout cas, passez des bonnes vacances. Et puis, passez tous des bons moments. Hein, même si on part pas en vacances. Hein, moi, ça me, voilà. Y a plein de choses à faire qui sont vachement bien aussi. Hein. Vous embrasse tous très fort. Merci du fond du cœur. Passez une très belle journée. Donc on se reverra pas pour un tuto et tout ça. Aujourd'hui, ça suffit. Hein, une heure, encore une heure de vidéo, c'est un truc de dingue. Bon, c'est vrai, je parle beaucoup. Hein, c'est ça. C'est ça le problème. C'est quand même pas ma faute. Moi, je vais aller manger des petits gâteaux. J'ai tout à fait le droit. Et finir mes chocobons. Si. Je vais faire ça et puis c'est tout. Voilà. Et on se retrouve demain mercredi. Je sais pas ce qu'on fera. Hein, je sais pas encore, je sais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, je sais pas du tout. Mais on va bien trouver un truc. Ou alors je patouille sur mon papier photo que j'ai récupéré chez Leclerc. Et je vais peut-être patouiller un peu les encres à alcool. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on n'a pas d'encre à alcool et tout ça. Mais vous avez des feutres à alcool. Si vous n'avez pas les alcools liquides, hein, vous avez peut-être des feutres à alcool. Hein, ça marche aussi. Hein, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais peut-être je ferai une carte demain à base de ça. En fait, je voulais faire aussi des. Ah non, je ne vous dis pas parce qu'après, si je fais pas. Je suis un peu pénible parce que du jour au lendemain, comme ça, je peux changer d'avis et tout ça, vous savez. Ouais, parce que je fais au gré de mon envie en réalité. Je fais pour vous faire plaisir, bien sûr, en priorité, mais je fais aussi, il faut que j'ai envie, bien sûr, c'est normal. Parce que si on fait les choses à contre. Ben, ça m'est jamais arrivé encore. Oh, non, je m'éclate, moi. Si, si, je m'éclate. Ça me fait trop plaisir de scraper avec vous et tout ça. J'adore. Mais des fois, je me dis, ouais, je vais faire ça. Ça va pas les intéresser. C'est nul. Enfin, je veux dire, c'est nul. Ça va pas les intéresser. Ou elles n'ont pas ce qu'il faut. Machin. Ou truc. Mais voilà. Ben, pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Vous m'écoutez. Si, vous m'écoutez. Bon, je ne sais pas encore ce que je ferai demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai là aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Et jeudi, c'est le sketch. Et après, c'est déjà presque le week-end. Vendredi, samedi, dimanche. C'est un truc de fou. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et on se retrouve demain.